Vous pouvez être pas voler à la victoire. Ce dimanche, vous devez confirmer la victoire des élections européennes, et il faut des élections législatives et faire place, enfin, à l'alternance et au changement. Depuis dimanche dernier, nous assistons à la naissance du parti unique Mélenchon-Macron. Et cette alliance des honneurs s'est constituée dans l'unique but de vous priver de la victoire. Et avec un seul objectif, empêcher de gouverner pour vous et avec vous. Cette alliance entre la France insoumise, l'extrême gauche et les macronistes n'est pas seulement immorale, ridicule, elle est profondément antidémocratique. Je crois profondément que les Français vont rejeter ce marchandage et nous offrir une majorité absolue pour gouverner. Il est temps. Je vous appelle à la mobilisation pour la victoire. J'agirai pour votre pouvoir d'achat en baissant les taxes sur les carburants et l'énergie. J'agirai pour votre sécurité en mettant fin au laxisme judiciaire. J'agirai pour maîtriser l'immigration en expulsant systématiquement les délinquants et criminels étrangers. Je protégerai les droits et les libertés de chaque Française et de chaque Français que certains voudraient aujourd'hui remettre en cause. Je permettrai aux Français qui ont commencé à travailler tôt, qui exercent des métiers difficiles, de partir à la retraite en bonne santé. Je défendrai une école de la République exigeante où l'autorité des professeurs sera restaurée. Et je me battrai pour un accès à la santé quel que soit le territoire. Je serai aux côtés de nos agriculteurs qui font la fierté de la France, de nos policiers et de nos militaires qui nous protègent, de nos travailleurs qui font la richesse de ce pays que l'on aime tant. Je serai aux côtés de toutes les Françaises et de tous les Français sans exception. Par-dessus tout, je vous écouterai, je vous respecterai. Chaque minute, chaque seconde, un Matignon vous sera entièrement consacré et sera consacré à redresser le pays que nous aimons tous, le pays qui nous rassemble, notre pays, la France. Alors dimanche, 7 juillet, ce dimanche, ne laissez personne vous dicter votre choix, ne cédez pas aux intimidations. Je vous appelle à me soutenir et à voter pour les candidats du Rassemblement National et des Républicains à droite, soutenus par Éric Ciotti.